Bonjour à tous, ici Sprudex et bienvenue dans ce 40e épisode de Let's Play sur Two Point Campus. On continue donc la troisième étoile du tout premier campus. On va devoir construire. Et je ne vois rien que je peux récupérer comme bâtiment pour... je peux pas... On peut rien acheter de plus, donc on doit faire avec l'espace qu'on a ici. Ok, bon, alors on va en profiter et on va gagner de l'espace ici déjà. On va ramasser ça. On va valider, bien entendu. Non, je ne veux pas vendre l'élément. C'est une fenêtre, en fait. Oh, bah si, allez. Ça me paraît bien. Je vais mettre des petites toilettes ici plus tard. Cet amphi, il va venir là derrière, hein. Déplace. Voilà. Hop, on met qu'une seule porte. Validé. Alors, J'hésite et je vais pas hésiter longtemps. On va enlever. Je vais le placer plutôt comme ça. This next song is for the hog log lady. Je mets la porte ici. Comme ça, je peux mettre une salle là. On valide ça. The summer is a good time to relax and prepare for next year. Alors il me faudrait un laboratoire de réalité virtuelle. Un deuxième. Et un troisième plutôt même. La bibliothèque, je la pose ici. Juste entre les deux portes, très bien. La porte ici, je la dépose là-bas, comme ça, hop, j'ai de la place ici pour mon troisième laboratoire. On va valider quand même. Laboratoire de réalité virtuelle. Voilà, un peu plus grand pour dire d'avoir... je sais pas. C'est... Ça me trigger un peu. Voilà, c'est bien. Donc on peut... Voilà. Ok, deux pédagogues en normalité. Y en a un. Voilà, et un deuxième. Là. Alors, il me faudra encore un amphi. Peut-être la place ici, mais j'y crois pas trop. J'ai peut-être la place ici. Ce que je vais faire, c'est cette porte. Hop, on la place là-bas. Cette fenêtre, elle vient là. Les toilettes, je vais les mettre ici, hein, comme j'avais dit. Donc, toi ici, ok. On va rajouter des toilettes.
comme ça. Voilà. Non, c'est tout en fait, hein. Pas plus. Très bien. Le sèche-main. Pas si efficace que son nom l'indique. Oui, je confirme. Pour en avoir au boulot, ça éjecte plus les crasses dans l'air que ça ne sèche les mains. Et bien sûr, un peu de gel hydroalcoolique. Ça me paraît bien. Comme ça, ici, toi, je te vends. Oui. I was chased into a tree by a group of students barking like dogs. I went into a primal state of self-preservation. On vient mettre les distributeurs de ce côté-là. I've learned since that it was some kind of initiation for society. Voilà, et j'ai de quoi mettre l'amphithéâtre ici. I can see the funny side. Ha, young people, eh? That terrifying scamps. Voilà, avec la porte. Bien collé dans le fond, comme ça je peux mettre la porte sur le côté ici. Je valide, j'ai pas besoin de plus pour le moment. On peut commencer la nouvelle année. Oui, et je vais encore un. Ah, scientographie, merde. Mercredi. Voilà, bon. Allez, on accélère un peu. Bon, peinture chic pour ici. Ok, voilà, c'est fait. T'es content. Dommage qu'on n'a pas le mode hyper rapide là parce que ça me serait utile. On améliore un peu. Et j'ai oublié de mettre la fête des étudiants au départ, mais c'est pas très grave. Mettre des toilettes ici parce que les toilettes il en faut assez proche de leur salle de cours, sinon ils sont tellement cons qu'ils ne vont pas aller aux toilettes. Même chose normalement pour les salles de douche, hein. Faut les mettre près de des chambres, sinon c'est la panique, ils savent pas où aller. Et après, ben, quand ils sont crasseux, ils sont pas bien. Il faut les mettre en soutien et compagnie. C'est ce que je vais mettre ici. Salle de tutorat. Pour, voilà, bien grand. Non, un peu moins grand quand même. Que les étudiants un peu plus débiles puissent au moins avoir de bonnes notes. Oui, je sais, dire qu'ils sont débiles n'est pas très... n'est pas très Charlie, mais bon. Drinking too much milk can and will make you uncontrollably ill. Be safe and try to have very slightly less than that. This message is brought to you by the Milkmaid Corporation. Hop. Voilà, je pense que ça c'est déjà bien. Voilà. The academic year is starting. I hope you have a pencil. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Negodio? Allez, ce qu'ils veulent les godillots. Alors, niveau de prestige, 7 pour la salle de science. Très bien, et on est à 4. Ça va piquer. On va devoir faire le plein de... Le tableau blanc, je l'ai déjà.
Ça j'ai déjà, je peux pas mettre grand chose en fait, hein. Je vais devoir mettre des posters, des plantes, des choses comme ça pour dire d'améliorer le... On va serrer un peu les posters. Hop, niveau 5. On en met même derrière les étagères. Hein, là où il y a de la place. Ouais, on est déjà à 6. Voilà, 7. Ok. Ok. Niveau réalité virtuelle, niveau 7, ok. Soit gros bouquin. Oui, allez. Gros bouquin. Je vais le mettre dehors. C'est pour le club de lecture. Ensuite, stand à légumes. Stand à légumes, on va le mettre ici. Hop, roue de marche rapide. On la place ici, voilà. Piste de danse. C'est vrai que j'avais oublié de mettre ça. Ben voilà, très bien. Journée porte ouverte, je fais être canard. On fait. Je pose et puis basta. Hein. Je regarde pas à. Distributeur de pulpitation. Très bien, le jus de fruits avec une dose de caféine. Oui, des étudiants, prestige niveau 7. Ok, bah, niveau 6, ça va. On va rajouter des jeux. Excusez-moi. Niveau 7. Très bien. Et le laboratoire de réalité virtuelle, niveau 7, on est parti. Alors on est niveau 4 toujours. Bon bah on va mettre des posters. On a la place pour. Et comme ça on est tranquille. Niveau 5. Alors je mets de tout, hein. Je regarde même pas si le poster correspond à la salle, m'en fous. Hop. De toute façon, eux, ils s'en foutent aussi, je pense. Niveau 7, voilà. Et au plus je ferai ça, au plus j'aurai de points pour la prochaine année. Construire une résidence universitaire, hein, purée. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, à cause de la porte, merde. Et en plus, c'était, j'étais en train de le déplacer alors que. Voilà. Voilà. Et ici. Donc là, on valide. Hop, ici, on copie et on vient le placer là. Non, mince. Et on valide. Tapis disque. Tapis disque. Eh bien, on va mettre un tapis disque. Porte-chapeau. Hop. Je sais pas dans laquelle des deux c'est, mais je vais le mettre ici. Voilà.
16, très bien. Très bien, des formations qui se terminent. Faites au foyer étudiant. Allez. Non, on répète pas tous les ans celle-là. Alors. Janitor needed to unblock toilets. Lovely. En fait, là, j'ai plus qu'à attendre la fin d'année hein, et faire les demandes quand elles arrivent. Mais je peux plus construire grand chose, donc c'est maintenant ou jamais. After all, with a right attitude and a little experience, there's no problem. You can't make worse. Très bien, ça avance. Les textes se remplissent bien, il n'y a que des A. On peut dire la note moyenne c'est A, hein, c'est 85%. Ok. Je sais pas si j'ai un tuteur en fait. Et il n'y a aucun qui fait des séances de tutorat dans les nouveaux, donc je vais voir les anciens. Si, il y en a un qui fait le tutorat. Donc c'est très bien. Allez, tout va bien. Faites au syndicat des étudiants. N'ayons pas peur, faisons-le. De formation peut être amélioré. Oui, ça va améliorer mon niveau de campus, même s'ils montent tout seul hein. Comme j'ai dit, c'est par rapport au niveau des étudiants, plus le niveau des salles, plus le niveau de mes employés, et tout ça combiné quoi. Je pourrais acheter des choses, mais pour l'instant j'en ai pas plus besoin que ça, donc terminons l'année. Au plus ils sortent diplômés avec un gros niveau, au mieux c'est. Pour mes finances déjà. Un globe de foudre nécessite laboratoire de sciences. It's hard to say, but what is clear is that we'll be discussing it for days. Hop, on va retirer ça. Et on va mettre le globe de foudre à la place. On déplace un tout petit peu, comme ça. On peut bien mettre le globe de foudre à côté, voilà, on valide. On arrive en fin d'année.
Très bien. Gérer les formations, niveau 4. Confirmer. Et voilà, j'ai ma troisième étoile. Statut d'ampoule, nouvel élément débloqué, d'accord. Pourquoi pas. Eh bien, on va aller sur la carte, on va sauvegarder et quitter, et on passe au campus suivant. Très bien. Hop, il y en a un petit... Ah oui, vous le voyez pas parce que je suis dessus en caméra. Mais on a la petite marque qui dit « c'est bon, tu dois plus y aller ». Alors, l'école des cuisiniers. Piazza La Natra. Matière à réflexion. Ah oui, il y a les... Si j'ai un directeur comme toi, même à 29 ans, je retourne étudier. Attention que c'est des campus un peu spéciaux, hein. C'est pas non plus... Merde, j'ai raté le verre. Tant pis. Education is non-refundable. Ok, donc c'est... Ok. Deux étoiles, qu'est-ce qu'il me faut? Club niveau 5, c'est bon. Taux d'hygiène moyen 70%, faudrait que je rajoute du gel hydroalcoolique dans le campus. Niveau de campus 12, ça va monter tout seul. Gagner un concours culinaire du comté. Ça, normalement, on avait déjà réussi à le faire à la première étoile. Donc, en théorie, ça va aller vite. On commence. J'ai de la place ici pour continuer à agrandir. C'est tout, voilà. Il me faudrait un qui fasse du tutorat. Oui, hop, voilà. Accept. La chaîne alimentaire, taux d'aliment moyen de 70%, très bien. C'est déjà en cours. Tout va bien. Bon, il nous faut plus de petites chambres. Chambre, on va les mettre ici, hein. Trois sur 3. On va faire un peu différemment, hein. Allez, on va commencer par des lits en bois, couleur bois. On va mettre, voilà. C'est dommage qu'il n'y a pas plus de choix dans les... Dans les draps. Drap et coussin, bien entendu, hein, mais... Hop. Voilà, très bien. On est bien, c'est le strict minimum, on va valider ça. On va copier et on va en mettre encore un à côté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? L'argent, très bien. Bibliothèque de gastronomie nécessaire. Je n'avais pas encore débloqué celui-là. Voilà qui est fait. Microscope dans le laboratoire de sciences. Eh bien, on y va. Et rapport de Cheesy Gubbins, c'est bien. Et journée porte ouverte, c'est bien aussi. Résolver un problème de soutien, ça va se faire tout seul. Non, ça va pas se faire tout seul, le soutien. Donc, on va faire une... Une salle de soutien aux étudiants. Voilà. Hop.
janitor needed in student union. Alors le mobilier, ça augmente la, soit l'attrait, soit la vitesse de... La vitesse de d'utilisation de la salle. Hein. On valide. J'ai besoin d'un assistant qui fait du soutien. Et il est déjà niveau 4, très bien. Culinaire qui est en cours, très bien. Et tu dis, Umi, si tu avais un directeur comme moi, tu retournerais, mais moi j'ai même pas envie d'être directeur, quoi. J'ai mon frère qui l'a été, directeur d'école. C'est dur, hein. C'est très dur. Très bien. Eh ben voilà, le concours culinaire, il est réussi. Qu'est-ce qui se passe? Stand à nouilles. Voilà, relevé Mars, voilà, je souhaite DJ sous-chef. Et je peux pas, pourquoi? Parce que j'ai pas de scène dans la salle étudiant qui est... Ah, qui est là, oui. C'est un peu compliqué si c'est si petit. Donc on va faire un foyer étudiant plutôt ici. Voilà, très bien. Ça me paraît. C'est pas un foyer étudiant qu'il me faut, c'est un syndicat des étudiants. Bref, c'est le bar des étudiants. Hein. Hop, voilà, avec. Étable ici. La scène, elle est énorme. Une petite arcade Crazy Taxi. Voilà. Bah, ça suffira. Et donc ici, hop, ça c'est bon. DJ sous-chef, on peut le faire. C'est bon. Film d'horreur, on peut le faire. Bon bah non, on va le faire là. Hein. C'est bon. Et enfin, kiosque à hot dog. On valide. The Crookle Bay Zoo has fallen into the It's being reported that they're not under any immediate danger and zoo officials are currently negotiating with the gibbons. C'est une horreur, hein. Et bah, c'était plus de 1000 gosses qui devaient gérer, mon frère. Il a dit, non, si c'est comme ça, je fais des études et je monte encore d'un niveau, comme ça, je suis débarrassé. Et il a bien raison. Bon, il me faut de l'assistant parce que là, enfin, niveau 3 en. Bon, ben, Natacha Malaise. Voilà. Alors, il y en a un qui veut. Pourquoi? S'ennuie, pression maximale. Donc, ça, c'est la vessie. Ennui ferme, c'est sale, mauvaise odeur, soif furieux. Ça va? Donc dans ces cas-là, il faut que je mette une salle d'eau. 600 salles. Non mais t'en fais pas là. B, ce n'est pas sale. Voilà, de quoi se laver un peu aussi.
comme ça, quelques serviettes pour se sécher, un sèche-main, du gel hydroalcoolique, et on valide. Tiens, sélectionner la cuisine. Ah mince, j'ai pas fait le... D'accord. C'était un événement comme ça, arbre généalogique. Non. C'est à l'extérieur. Voilà. Qu'est-ce qui va pas, lui? T'es pas content, c'est ça? T'as envie d'abandonner. On peut personnaliser. Ah oui, d'accord, c'est l'event Halloween. Bon. Ennui, ferme et compagnie. Bah, il faudra rajouter. On va mettre ça là. Sometimes I get asked what I would have done had I not gone into the disc jockeying trade. Well, as a young boy, I dreamed of being a spy. Mais pour l'ennui, yes, j'ai pas énormément de choses, hein. International intrigue and late night dinners. Oh, j'ai quasi plus de... expense. Sadly, to be a spy, you need to be able to whisper, and I just can't do it. When it comes voilà. to disclosing ça secrets, être assez... my persistent volume Quel Beagles. Quel Beagles, pardon. Requête d'éléments... On sème, ils veulent un jardin de rose à 7500. J'ai plus de pognon. J'ai plus de pognon, j'ai trop dépensé là, donc je vais devoir faire un emprunt. Ah oui, d'accord, j'ai déjà des emprunts en cours. Bon bah, on va hop prendre le plus gros des emprunts. Comme ça, ici, on peut mettre un petit jardin de rose. Je perds de l'argent, faudra que je fasse attention. Alors, on va voir le filtre d'hygiène là parce que c'est pas normal. L'hygiène moyen pourtant. Ouais, il y en a ici à l'extérieur qui sont pas très propres. Je vais devoir mettre un peu de gel hydroalcoolique ici à l'entrée. Je vais mettre un peu de gel hydroalcoolique ici aux toilettes. Il y en a un ici très bien, il y en a un dehors ici, il n'y en a pas ici près de l'entrée. Très bien. Et ici à l'extérieur, il n'y en a pas. C'est bon. Alors, donc, sélectionner la cuisine salée, je vais retirer le filtre. Utiliser le bouton cuisine salée, c'est ici. Et utiliser quel bouton ? Configurer un événement, c'est ça. Bon, pour eux, qu'est-ce qu'il me faut? Formation gastronomie niveau 3. Donc je peux pas encore le faire parce qu'il me manque un niveau, d'accord. Soit c'est bon, compte mouton. Voilà. Pour le club de sieste. Qui permet de faire des siestes à une vitesse folle. Ok, puis grenouille. Bah, ils pourront en faire des cuisses. Hein. Weather report, it's raining frogs. Again. Pour le taux d'hygiène moyen remonte. Waiter, waiter. Oh, the service here is terrible. Alors qu'est-ce que j'ai compris? Reine des clubs et roi de cœur. D'accord. Ouais, j'ai eu un abandon et un échec. Could go
or you could stay in. With a bowl of hog logs. You've tried fine dining, but this is swine dining. Un peu de recherche. Hog log cereal combines 4 times of wheat with a salty crunch of crispy pork skin. Ah. Comme ça. Très bien. Ça va augmenter la vitesse de la recherche, tout ça. Là, j'ai déjà. Ça. Comme c'est ici, le projet, ça va être Super Chef 3. J'ai besoin de 2 pédagogues en scientographie. Oui, attendez. On va d'abord gastronomie. Je suis que niveau 1. Hop, voilà, niveau 3 confirmé. Il faut un amphi en plus. On a de la place ici, hein. Excusez-moi. Ouais, c'est mal posé tout ça. Hein. Je vois que j'étais encore à mes débuts quand je l'ai fait. Bon, bah, on va poser là pour le moment. Juste un bête amphi. 3 pédagogues en scientographie. En science quoi. Hein. Pas de niveau plus que 1, mais là au moins il y a la bonne humeur en plus. Ok, bah commencer l'année, c'est parti. Quoique, non, ça fait déjà une demi-heure, donc je vais arrêter l'épisode pour YouTube ici. Et bah, on continue dans le suivant. Hein. Donc, bien, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, et portez-vous bien. Bye.